Salut tout le monde, c'est Zakaz et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur mon ordi et je vais vous apprendre à faire ça. Donc bon, c'est un Twig Store simple, normal, sauf que ce Twig Store, je l'ai fait avec Sony Vegas Pro 10. Et oui. Donc je vais vous mettre le lien pour le télécharger et la vidéo pour le tutoriel de comment le télécharger parce qu'il faut faire quelques manips. Et je vais tout de suite vous apprendre à comment l'utiliser. Donc je supprime juste ça. Hop, ça. Et voilà. Donc j'ai ma petite vidéo ici. Je veux faire le Twig Store ici. Alors, vous voyez mon Twig Store par exemple, je veux que ça soit que. Voilà, jusque là par exemple. Ben, vous n'avez pas coupé ici, vous avez laissé une grande marge. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est parfait, vous laissez la marge. Et ensuite, vous prenez le Twig Store Pro. Pas le Twig Store ni le Twig Store Vector 1. Vous prenez le Twig Store Pro. Vous le glissez, vous le mettez là. Vous allez dans Speed. Vous mettez 4. 0,00, ou vous pouvez mettre 3 ou vous pouvez mettre 2, mais dans ces environs parce que sinon ça donne ça. Voilà, ça donne un écran rouge. Et si vous mettez trop loin, ça donne pas un Twig Store du tout. Vous pouvez essayer, mais moi je vais pas essayer parce que ça me fait perdre du temps et ça sert à rien. Donc bon, alors il va commencer à charger. Vous voyez que la marge est importante. Bon, là, c'est pas le Twig Store définitif, hein. J'ai mis une color correction aussi. Donc, vous voyez comme le Twig Store est important. Comme la marge est importante. Et encore, faudrait que j'en mette un peu plus. Bon, là, c'est que pour vous montrer comment on fait, donc je vais pas mettre un peu plus. Donc, je dois encore prévisualiser. Voilà. Et surtout, enlever le son. Parce que si je mets du son, vous allez voir. Je vais mettre du son. Et écoutez ce que ça donne. Ah, le son est pas du tout au ralenti. Vous pouvez toujours essayer de le mettre au ralenti, mais je vous le déconseille. Donc, enlevez le son et mettez une musique à la place. Voilà. C'est le seul petit inconvénient. Mais bon, c'est pas très très grave. Après voilà, on peut encore le mettre en ralenti le son. Et donc ben voilà, je vais envoyer le tuto à Maf Tuto et j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!